Salut à tous et à toutes, c'est Mimbrick Studio. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation, enfin de l'update set, pardon. J'ai reçu la brique comme ceci. Donc voilà, qui m'en manquait une pour faire mon tank. Voilà, je la reçois là-dedans et voilà. Voilà, et je le gratte. Mais je vous dirai pas comment. Donc attendez, je vais vous ouvrir ça. Enfin. Hop, je vais vous montrer un peu. Il est vraiment très très grand pour une toute petite brique. Je vous fais un peu audacieux. Voilà, attendez. Hop. Enfin, déçu, comment dire. Après, ça, je pourrais le réutiliser vu que c'est un polybag. Voilà, je mettrai magnifique hein, dedans. Et voilà. Voilà la petite pièce. Il y aura sur mon Sherman qui a d'ailleurs bien changé. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Il est déjà beaucoup mieux. Le tuto arrivera, hein, je ne sais quand, mais il finira par arriver, rassurez-vous. Voilà. Donc, elle viendra là, avec... voilà, il m'en restait une là. Donc voilà. Voilà, voilà, on se retrouve quand j'ai un peu rangé tout ce bordel. A tout de suite. Bon, voilà, j'ai commencé un peu à ranger. Alors, mon polybag maintenant est rempli de tous mes soldats rebelles. Il en reste quelques-uns, donc là, ça c'est un custom WW2. Voilà, un petit artilleur. Voilà. Bon, voilà, et ça rentre parfaitement dans ma boîte, si je ne m'abuse. Ça rentre parfaitement, voilà. Voilà, c'est déjà un peu mieux pour ranger ces trucs-là. Donc, voilà, le TDP que j'ai mis là pour faire des trucs. Voilà, je vous montre un peu... Parce que là, je vais partir en vacances mardi. Je vais aller à Marseille, enfin vers Marseille. Pas à Marseille, Marseille. Ouais. Voilà. Et je vais tourner des vidéos donc, avec mon cousin. J'ai tout fait tomber, c'est génial. Pardon. Je vais faire donc, je disais donc que j'allais faire des vidéos avec mon cousin. J'ai une petite collection Lego Star Wars. Donc voilà. Et on va faire les reviews de ces cadeaux parce que moi, je n'aurai pas de Lego. Honnêtement, je ne pense pas avoir de Lego ou si j'ai des trucs en rapport à Star Wars, je vous les montrerai. Voilà. Sinon, pour faire court, je pense avec l'argent, s'il me reste de l'argent, faire une commande pick et break. Voilà. Donc aussi, j'ai fait plein de petits trucs comme ça. Voilà. Parce que ce moque-là ne restera pas. Hein. Voilà. Je me suis lassé. Voilà. Donc, je vais en faire un autre. Je vais commencer. Et puis, voilà. Bon, ben écoutez, moi, il vous reste à vous montrer une dernière chose. Hop. Cette boîte-là. Je vais l'ouvrir. Alors, c'est une vieille boîte qui a un arrière-grand-père, hein, qui a toujours envie, d'ailleurs, j'ai énormément de chance. Et voilà, il me l'a offert il y a bien longtemps. C'est tout en bois, j'adore le bois. Faut savoir, j'adore les petites caisses en bois, comme ça, très... Très... Voilà, j'adore. Voilà, ça se permet d'enlever un peu, trier un peu plus les briques. Voilà, j'ai mis mes briques comme ça. Briques comme ça. Là, il y a ça. Et ça qui va avec celle-là. Donc voilà. Voilà, voilà. Je vais refermer la boîte. Voilà. J'en prends très soin de cette boîte, sachez-le. Donc voilà, ainsi se termine cette vidéo. Je vous annonce, il va y avoir un truc pour les 60 abonnés, hein, et aussi pour Noël. Donc voilà, n'hésitez pas à surveiller un peu la chaîne, c'était Minibag Studio, abonnez-vous, laissez un commentaire, et laissez surtout un j'aime. Salut!